Listen. Jean-Michel Gras, je suis gérant, animateur de l'agence Maître du Rêve, l'ingénierie culturelle et touristique. Nous sommes dans un monde qui change, un monde qui a besoin de repères. Le patrimoine, nos racines sont des repères indispensables. Mais à quoi servent les racines si c'est pour s'enfermer dans des histoires convenues? Donc, ce métier sert à ce que les racines servent de point d'appel, comme quand on court, on prend ses marques, mais pour se lancer vers un projet, vers de l'avenir, porté par une collectivité, une coopérative, une entreprise, une association. C'est ça l'ingénierie culturelle. Ça donne beaucoup de rencontres chaleureuses, de gens passionnés, toujours porteurs de quelque chose. Ça donne la nécessité de dire à un moment donné à arrêter, on ne peut pas tout vouloir, vos moyens ne sont pas illimités, il faut que ce soit faisable, il faut que ce soit porté, qui sont vos relais, qui sont vos maîtres d'ouvrage, selon le terme consacré. Donc un mélange entre une part de rêve à partager qui est indispensable et une maîtrise nécessaire. La légitimité, est-ce que ça vous colle bien à la peau, ce que vous êtes en train de porter? L'attractivité, si des usagers, des clients ne se sentent pas concernés, à quoi bon, hein? La singularité, faire différent. Ce qui me plaît, c'est ce côté sur mesure. Pas deux fois la même chose. C'est aussi de voir tout l'attachement que les gens mettent dans leurs racines et combien ça les aide d'assumer un passé commun pour mieux avancer. Atypique comme celui de mes collaborateurs, ingénieurs, agronomes, économistes, peut-être que ce qui me sert le plus, c'est un métier que j'ai fait pour me soigner. Je suis formé en psychothérapeute. Et finalement, ça me sert parce que dénouer les problèmes d'une mise en valeur d'un château ou d'un groupement de producteurs de cognac, ça pose toujours des questions d'être, de gens qui défendent mordicus leur point de vue. Et il faut bien trouver un point de vue commun que tout le monde partage. Si vous aimez partager les secrets d'un territoire, les petites histoires qui finissent par structurer des destins, c'est un beau métier pour vous. Mais attention, il faut que vous ayez la maîtrise à côté. Un sou est un sou, et il ne faut pas rêver plus haut que ce que les gens sont capables de porter. Prenez votre temps, le temps de savoir ce qui compte, ce à quoi vous tenez. Nous serons là pour vous aider à accoucher.